Certains l'ont sans doute aperçu dans les forêts de la côte ouest. Un célèbre botaniste, le père Montrousier, l'avait décrit en 1860. Aujourd'hui, ce sont les scientifiques de l'IAC qui l'ont peut-être sauvé à tout jamais des incendies. Le citrus endémique, cet agrume purement calédonien, n'est pas indiqué pour les gourmets. En revanche, son adaptation au sol et au climat local est une vraie richesse. Ce sont des plantes qu'on va dire, elles sont intelligentes parce qu'elles ont développé des stratégies d'adaptation aux différentes conditions dans lesquelles on les trouve. Notamment, elles ont des systèmes racinaires très puissants. Et puis des organes, par exemple ici les feuilles sont très épaisses pour retenir l'eau. Et il y a beaucoup moins de feuilles, enfin de surface foliaire par rapport à l'arbre qu'un agrume plus moderne qui serait plus exigeant en eau d'irrigation. Récupéré dans la nature, l'Auxanthera, c'est son nom scientifique, est observé par ces botanistes calédoniens depuis 10 ans. À l'IAC, on s'intéresse à ses caractéristiques physiques, mais aussi moléculaires. Alors ça, c'est un échantillon d'ADN qu'on a extrait à partir des feuilles de notre citrus endémique. Et ça va nous servir à savoir si on a affaire à un seul citrus endémique en Nouvelle-Calédonie ou si on a affaire à plusieurs types de citrus. En attendant de mieux connaître les gènes du citrus, les agronomes de l'IAC testent ses capacités agricoles. Des pieds de l'agrume calédonien servent ainsi de porte-greffe. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a greffé un lot de citrus endémique avec une orange et la même chose sur un porte-greffe moderne. Et on va pouvoir comparer sur les variétés qui vont se développer à partir de la greffe qui est celle qui est le plus exigeant en eau d'irrigation. Si le métissage est fécond, l'IAC pourra ainsi propager ce porte-greffe très économe en eau dans tous nos vergers. Enfin, les extraits du citrus calédonien auraient également de forts potentiels en cosmétologie et en parfumerie.